Je m'appelle Moudé, mon nom de scène c'est Calibre, je suis un rappeur, slammer de la ville de Meknès. Alors, comment est tombé le choix sur vous par exemple? Je me souviens, c'est une création, c'est française je crois, franco-marocaine, donc française. Ouais. Le choix, comment est tombé sur vous par exemple? En fait, moi j'avais déjà travaillé avec Pierre, Wolfit, donc c'est le mec qui a organisé, j'ai déjà joué avec lui à Amiens. Et en France, en septembre, et donc voilà, on s'est rencontrés, il m'a proposé le projet, j'ai trouvé ça intéressant, et voilà, après il m'a contacté pour le faire. Vous n'avez pas trouvé des difficultés à mixer les chansons marocaines avec les chansons françaises? Sincèrement, pas trop, parce qu'il y a la langue de la musique qui part, et donc on s'est retrouvés dans le même bain, dans le même truc, et la musique a su... nous toucher la musique française et la musique marocaine. Donc voilà, on n'a pas vraiment trouvé de difficulté. Merci bien, mais avant de partir, donc comment vous avez trouvé l'accueil à El Jadida? C'est la première fois que je vais venir à El Jadida. Je trouve que c'est une ville super, calme, les gens ils sont très très sympas, on mange bien aussi. Et voilà, je pense que je reviendrai encore, pas pour travailler forcément, mais pour les vacances. Et le théâtre à Fifi aussi, comment vous l'avez trouvé? C'est un beau théâtre. Monsieur le gouverneur, madame la consul générale adjointe, mesdames et messieurs les représentants de la municipalité, mesdames et messieurs les représentants du ministère de la Culture, des instituts français, qui a rejoint le Giron il y a maintenant un an. Et c'est une manière de remercier à la fois l'Institut français, mais aussi la province, la municipalité et tous les acteurs d'El Jadida pour le dynamisme dont ils témoignent et qui aujourd'hui permet notamment que la première de la saison culturelle France-Maroc en 2013 se tienne ici ce soir. D'autant que ce soir est un moment tout à fait exceptionnel de l'histoire de l'Institut français au Maroc, mais aussi, j'oserais dire, de la relation culturelle qui unit nos deux pays. Puisque ce qui va être présenté, c'est une production originale, ce qui n'est pas dans la tradition de l'action culturelle française à l'étranger, notamment au Maroc. Et donc cette production, elle a été rendue possible par l'extraordinaire proximité entre les sociétés marocaines et françaises. Parce que ce qui va être montré ce soir, c'est le travail de 11 artistes marocains et 11 artistes français qui, depuis 10 jours, sans se connaître, ont mis leurs énergies, leur créativité pour nous présenter un spectacle qui n'a pas d'antécédent. Alors, je voudrais une fois de plus remercier tous ceux qui ont permis. Bonsoir, salam alaikum, bienvenue. Marhaba bikoum Karim. Excusez-moi, comment on dit ça va en arabe? Ouais, on peut dire la base, mais moi je préfère ça va. Ça va. Ça va. Mais c'est le même mot là. Ouais, ça va à la base. Ça va? Ouais, et toi? Oui, c'est bien, bien. En fait, je suis très très heureux, je suis fier, je suis ému d'être là ce soir avec toi. Tiens. Vraiment. Et vous, ça va? Tu m'as bien. Mesdemoiselles. Ali Sati. Monsieur. Sabati. Ce soir. Abmha. Émotion. Ihsas. Ce soir. Abmha. Mémoire. Dakira. Ce soir. Abmha. Souvenir. Souvenir. Et alors, on souffre. Je me souviens plus comment on dit « je me souviens en arabe ». Wash. Wash. Wash, wash. Wash. Wash aqlti. Wash aqlti. Alors le souvenir... Je caresse son corps et tout à coup, tout le paysage de l'Atlas se redessine devant mes yeux. Maroc. Un pays qui voyage en vous. Alors ça, tu vois, Vincent, ça, c'est notre grande star nationale, notre Johnny Hallyday. Souviens de toi. Eh, tiens, toi. Allez, pas monsieur jeune.
Adastar, je t'observe, tiens, qu'est-ce qu'on va te jeter bien. Allez, Smita, Najat, Tabou. Et mon premier son, c'est toujours ça. Vous deux, vous partirez à Tanger. Ah, Utsumabjou, j'attouche au Tseboan. Vous deux, vous partirez à Utsuta. Utsumabjou, j'achetoukoum, deukoum le fess. Vous deux, vous partirez à Meknes. Utsumabjou, Kneta. Vous deux, vous partirez à Rabat. Utsumabjou, j'attouche au Kaza. Vous deux, vous partirez à Marrakech. Utsumabjou, l'Agadir. Et vous deux, vous partirez à Jdida. Mais j'avoue souvent y penser. Chaque fois que j'entends un arbre tomber, un arbre s'est vite fondu. Le bois, quelqu'un a pu le vendre. Si c'était le mal que j'ai eu à descendre. D'ailleurs, en suis-je descendu. Et tout est sous, je transparence. Fruit dans les plis du tissu qui balance. D'autres choses à faire, d'autres sourires à croiser, qui suscitent une lumière en jeu.
يا رسول الله يا محمد ساعد اشتاق
Parce que Céline, elle n'est pas les autres. Je connais les dames. Mais prends garde. Prends garde à ça. Elle ira chercher ton cœur, ton âme. Elle trouvera des langages, des formules magiques. Elle est même prête à appeler un marabout d'Afrique. Ça marche à l'âge. Et tout ça pour quoi? À l'âge. Tout ça pour quoi? Non, à l'âge. Mais pour que tu l'aimes encore, Hassan. Ah non, pour que tu l'aimes encore.
sur chacune de tes joues, un amour t'attend. Sur chacune des deux rives, la mer.
El Jadida avant. Ah mais El Jadida, je sais pas parce que je connais que le chemin de l'hôtel au théâtre, du théâtre à l'hôtel, de l'hôtel au théâtre, du théâtre à l'hôtel. Comment vous avez trouvé le théâtre ? Fantastique. Ça ne manque rien au théâtre. Et c'est un très beau théâtre et puis en plus l'équipe technique est formidable, on a eu un super accueil. Comment vous avez trouvé les Marocains ? Très bien. Vous vous présentez s'il vous plaît ? Moi ? Oui. Qui okay. Ismo. Ismo qui ? Sara. Ismo qui ? Sara Murcia. Menin, la nationalité. Firenze. Firenze. Et vous parlez couramment l'arabe. Là. Merci bien. Alors, bonsoir. Vous vous présentez ? Bonsoir. Je m'appelle Alice Lewy. Et je suis venue au Maroc pour le projet Je me souviens.
et mes binômes, enfin on pourrait dire mes trinômes, Sharif et Soukaina, la merveilleuse chanteuse de Al Jadida, m'ont offert Belarej à chanter. Ah oui ? Donnez deux ou trois mots qui parlent de Belarej. Alors, ce qui est drôle, c'est que Belarej, ça veut dire la cigogne. Mmh. Et moi, je leur ai donné à chanter Peace Frog, la grenouille de la paix. Et ce qui est drôle, c'est que les cigognes mangent des grenouilles. Oui. Mais là, c'est la grenouille de la paix, alors personne ne se mange et tout le monde s'aime. Voilà. Comment avez-vous trouvé vos homologues marocains ? Je les ai trouvés extrêmement droits. Extrêmement généreux, extrêmement professionnel. Vous n'avez pas trouvé de difficultés ? Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. C'est... Non, pas de difficultés. La seule difficulté que j'ai eue à apprendre, c'était apprendre la chanson, en fait. Et la prononciation, j'ai dû l'apprendre en deux jours, en fait. J'ai mis que deux jours à apprendre Belarej. Pour moi, c'était dur. Merci bien, alors vous allez garder un bon souvenir d'El Jadida. Du Maroc, regarde, très très bon souvenir du Maroc. Merci infiniment. Vous répétez, s'il vous plaît. Je ne peux pas continuer parce que je n'ai pas mon texte, je connais la par cœur. Oui, c'est vrai, mais... Oh, merci beaucoup, Brigitte. يا محمد بيه يا شهر من بعد